65 actions qui versent des dividendes depuis plus de 25 ans, ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité où je vais te parler placement financier et notamment investissement en bourse via les actions à dividendes. Pour faire partie de ces fameux dividendes aristocrates, il y a trois principaux critères à remplir. Déjà, ce qu'il faut, c'est faire partie du S&P 500. Donc en gros, c'est les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Tu as également un indice pour les entreprises européennes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets-moi dans les commentaires et je t'enverrai une liste vers les entreprises européennes. Là, je vais vraiment te parler uniquement des entreprises américaines. Il va falloir également peser, entre guillemets, en bourse, une cotation en bourse de plus de 3 milliards de dollars. Et bien évidemment, ça, je t'en ai déjà parlé, il faut avoir versé un dividende croissant depuis plus de 25 ans. Du coup, je vais te présenter les différentes sociétés qui sont présentes dans cette liste. Donc, tu as la société 3M Company. Donc, 3M Company, je pense que tu dois savoir concrètement ce que c'est parce que c'est l'entreprise qui a créé les post-it, également qui a créé tout ce qui est scotch. Donc, c'est cette société-là. Donc, elle est dans le secteur de l'industrie. Du coup, elle verse un dividende depuis 25 ans, mais même depuis bien plus parce que ça fait, je crois, plus de 50 ans qu'elle verse un dividende croissant. Donc, c'est une entreprise très solide dans le secteur de l'industrie. Petite précision, ce n'est pas des incitations à l'achat. Donc, les entreprises que je vais te présenter, c'est juste te dire que voilà, c'est des sociétés solides, mais après, gage à toi, du coup, de te faire ton analyse. Si tu ne sais pas comment choisir une action, je t'invite à lire mon livre que j'ai publié sur Amazon qui t'explique comment choisir une action rentable. Autre société, dividende aristocrate, c'est la société Caterpillar. Alors, Caterpillar, je pense que tu connais, ils sont dans tout ce qui est bâtiment, des grosses machines dans le bâtiment. Donc, tu as certainement déjà dû voir. C'est cette entreprise-là qui est, encore une fois, dans l'industrie et qui crée donc ces grosses machines-là. Donc, c'est une multinationale qui est présente au niveau mondial. La troisième société dividende aristocrate, c'est la société Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, je pense que là, j'ai pas besoin de te dire ce qu'ils font. Ils sont très connus. C'est une très grosse société et ils versent un dividende croissant depuis plus de 25 ans, même depuis plus de 50 ans. Donc, Coca-Cola, ils ne vendent pas que du Coca. Ils ont plusieurs marques. Ils vendent tout ce qui touche autour de la boisson. Donc, tu as du thé, de l'eau, tu as de la boisson gazeuse. Au niveau part de marché en boisson gazeuse, ils sont à 50%. Donc, 50% des boissons gazeuses qui sont vendues dans le monde, c'est une marque de Coca-Cola. Et donc, c'est une très grosse entreprise qui est très bien implantée parce que, au gré des marques qu'ils ont créées, ils ont vraiment créé un empire. Donc ça, encore une fois, c'est une entreprise qui est mondiale et qui vend vraiment dans plein de pays. La quatrième société à verser des dividendes croissants depuis plus de 25 ans, c'est la société Colgate Palmolive. Alors là, encore une fois, Colgate, je pense que tu connais, c'est tout ce qui touche autour des produits de santé, des produits de soins. Ils ne font pas que Colgate Palmolive, ils ont un nombre incalculable de marques. Je vais les afficher ici à l'écran pour que tu vois le nombre de marques qu'ils ont. Tu vois que c'est énorme. Et encore une fois, une entreprise qui est au niveau mondial. La cinquième société, c'est ExxonMobil. ExxonMobil, tu dois connaître notamment avec les stations-service Esso. Donc, tu l'as compris, ils vendent du pétrole via leur station-service. Donc, ils extraient le pétrole et après, ils le vendent via les stations-service. Moi, pour te donner mon avis, c'est pas un secteur dans lequel je vais investir. Ils n'ont pas de marge au niveau prix puisqu'il y a un cours du baril qui est décidé par le marché. Et donc, moi, c'est pour ça que je ne suis pas fan de ce secteur-là. Mais en tous les cas, ce secteur marche bien puisque tu vois que depuis plus de 25 ans, ils versent un dividende croissant. Tu as également la société Kimberly-Clark. Donc, Kimberly-Clark, ils font des couches, mais pas que. Ils ont plein de produits. Donc là, encore une fois, je vais te mettre tous les produits qu'ils ont. Et moi, pourquoi j'aime bien ce type de boîte-là? Parce que c'est des boîtes qui sont trop grosses, comme je les appelle, trop grosses pour mourir. Elles ont tellement trop de marques, trop d'avantages concurrentiels pour mourir. Et on est sur des produits que tu as besoin d'acheter au quotidien. On n'est pas sur des produits que tu n'as pas forcément besoin d'acheter, c'est des produits que tu dois acheter au quotidien. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce type de société. Également, tu as la société McDonald's, donc les restaurants McDonald's. Là, j'ai pas besoin de t'en parler, je pense que tu connais également. C'est une très très grosse boîte, ils ont plus de... Je sais plus combien de milliers de restaurants ils ont dans le monde. Ils sont présents dans tout, quasiment, enfin dans plein de pays. Et même s'ils sont dans un secteur comme la restauration qui peut être un peu fragilisé dans ces temps-ci, notamment avec la crise du coronavirus, ils ont une marque suffisamment forte
pour perdurer dans le temps, et ils ont suffisamment de trésorerie pour perdurer dans le temps, parce que McDonald's c'est très 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 rentable. Donc dans les années à venir, ils continueront à perdurer, et de toute manière ils peuvent se réadapter, parce que McDonald's, il y a la livraison en drive, mais pas que, il y a aussi via Uber Eats la livraison à domicile. Donc même pendant le confinement, je pense que ça va continuer à fonctionner. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment une entreprise qui est installée et qui, quoi qu'il se passe, va continuer à perdurer. Autre société qui verse un dividende croissant depuis plus de 25 ans, la société PepsiCo. Donc, la société PepsiCo, c'est le concurrent de Coca-Cola. Et pareil, PepsiCo, ils ont plusieurs marques en portefeuille. Bon, ils sont un peu en dessous, on va dire, de Coca-Cola, mais ça reste une très grosse boîte qui le prouve par le fait qu'ils versent un dividende croissant depuis plus de 25 ans. Autre chose que j'ai pas précisé, en fait, quand tu verses un dividende depuis plus de 25 ans, c'est gage que, déjà, tes dividendes, tu les verses avec tes bénéfices. Donc, ça veut dire que tu es assez solide pour avoir des bénéfices et pour les redistribuer aux investisseurs. Donc, ça, c'est à prendre en compte sur la solidité d'une entreprise. Après, bien évidemment, encore une fois, ça ne suffit pas. C'est pas le fait de se dire, cette société verse un dividende depuis plus de 25 ans, donc c'est bon, je peux investir. Il y a d'autres critères à prendre en compte, mais ça montre quand même une solidité certaine de l'entreprise. Également, tu dois sans doute connaître la société Procter & Gamble. Donc, encore une fois, il y a une liste incroyable de marques. Je te montre la liste des marques juste ici. Et Procter & Gamble, ils font notamment les couches Pampers, mais plein d'autres marques. Et encore une fois, on est sur des entreprises, et encore une fois, moi j'aime bien ce type de société parce que elles vont pas être dépendantes de n'importe quelle crise. Parce que quoi qu'il se passe, on sera obligé d'acheter des couches, on sera obligé d'acheter ce type de produits. Et donc sur le long terme, ces entreprises-là ne vont pas avoir de soucis par rapport à la crise. Et moi j'aime bien ce type de positions qui sont, on va dire, un peu défensives, où on n'aura pas des méga gros rendements, mais au moins je serai sécurisé sur le fait que ces produits-là se vendront continueront à se vendre. Tu as également la société Stanley Black & Decker. Donc Stanley Black & Decker, je pense que là aussi tu connais. C'est tout ce qui est, par exemple, perceuse, produits dans le bâtiment. Donc ils sont également dans l'industrie, un peu comme Caterpillar. Et donc ils sont dans des industries qui vont continuer à tourner même en période de crise. Donc c'est pour ça que j'adore ce type de société. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une recommandation d'achat. Il faut faire ta propre analyse toi-même. Et enfin, tu as l'entreprise Walmart. Walmart, je ne pense pas que ce soit très connu en France, mais c'est un géant aux États-Unis. C'est un peu le pendant de Carrefour en France. Aux États-Unis, ils sont énormes. En fait, c'est des chaînes de supermarchés qui sont présentes dans toutes les États-Unis. Malheureusement, ce qu'on pourrait reprocher à Walmart, c'est que pour l'instant, ils sont uniquement concentrés sur les États-Unis. Je crois qu'ils ont d'autres marchés, mais ça reste vraiment sur le continent américain. Et ils ne sont pas présents, par exemple, en Europe, qui est un très gros marché. Donc, ce n'est pas une entreprise mondialisée. Et en plus de ça, ils subissent vraiment la concurrence directe d'Amazon ou ce genre de géant en ligne qui les met un peu à mal. Mais ça reste quand même une très, très grosse société. Alors là, comme tu peux te rendre compte, il manque pas mal de sociétés. Bien évidemment, je n'aurais pas pu en fait présenter toutes les sociétés dans cette vidéo, sinon la vidéo elle aurait été beaucoup beaucoup trop longue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les fameuses sociétés dont je t'ai parlé. Donc dans la description de la vidéo, tu as un lien, il suffit juste de rentrer ton adresse mail et tu accèdes directement à la liste complète de ces sociétés là. Et du coup, tu pourras voir les sociétés en question, tu pourras voir le type de secteur dans lequel elles se trouvent et tu pourras également avoir l'information du rendement. Donc ça c'est intéressant puisque ça te permet de visualiser en fonction de ce que tu recherches un type de société et un type de rendement recherché. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur les sociétés que j'ai présentées ou sur d'autres sociétés, sur l'investissement en bourse, n'hésite pas, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.